Bon, un petit avancement. Ça pousse. Là. Les poivrons, les aubergines. Avec un petit arrosage. Ça vient léger. Quelques bictacés, bon, j'ai déjà empoté certains. Un petit peu de salade là-bas. Ici dans les fleurs, bon bah ça va, ça pousse toujours tranquillement. C'est les ribranches, c'est pareil. On mettra bientôt les hippomées. Ça pousse aussi. Les capucines aussi. Ici les roses trémières, ça va aussi. Bon après c'est différentes fleurs. Là il y a quelques tournesols. Les œillets d'Inde, ça va aussi. Là c'est des œillets géants là-bas. Salade, on va pouvoir en remettre un peu dans les parcelles. Voilà. Alors ici toujours pareil. Le basilic. Un petit coup d'arrosage, les oignons blancs, c'est pareil. Ah, ici, j'ai refait deux barquettes de betterave rouge. Alors ça, c'est celle betterave de Caen. Et ça, c'est les betteraves longues. Oui, betteraves longues. Bon. Bon, les poireaux, les mous. On va pouvoir déjà les démultiplier bientôt. Ah, ici ça c'est les tomates, ah, je vais en retirer là, voilà, la Rios, ça c'est vite qui pousse trop vite en longueur. Là il y en a encore ici. Et il y en a encore ici, de la tomate. Alors ici il y en a encore, les plus un peu plus petites. Et ici ça c'est les concombres. Alors, quand je les mettrai, bon ben, ils seront coupés à la troisième feuille. Alors, à ce temps-là, il y en a une, deux. Alors ici, ça c'est le tabac, donc ça, ça pousse. Ça pousse même bien. Ici, il y a encore un peu de tomates. Ici c'est la facéliste. Là. Alors ici encore de la tomate. Là, ici curcubitacé. Et courgette jaune, courgette verte. Avec quelques pieds de tomates, un pied d'aubergine ici. Là, ça pousse tranquillement. Bon, on va les voir dans l'autre serre là-bas. Alors ici, voilà. On a encore de la salade. On a encore un peu là-bas. Ici, il y a encore des tomates. Les poivrons orange. Jaune et orange. Ici c'est les rouges, comme ceux dans la véranda. Alors ici c'est potimarron, citrouille et potiron. Pousse bien aussi. Encore un peu de tomates ici. Il y en aura pas mal à donner encore. Alors là-bas c'est les artichauts. Quand il fera meilleur, je les mettrai aussi à la parcelle. Bon. Ah ben ici on l'a vu, voilà. Ah ici les choux et puis de la salade. Ah.
ici c'est pareil, bon c'était mangé mais c'est rien aller, les épinards, les échalotes sont bien partis, l'ail. Et bon, les petits pois. Sont beaux, hein. Il y en a qui commencent à être en fleurs là-bas. Là le persil là il pousse. Persil il est parti. Ici c'est pareil. Bon, ici, il n'y a encore rien. Les pommes de terre, elles sont mises. Un beau pied de lavande, ici. Alors, les choux, je vais retirer les bouteilles. Parce que les limaces, ils restaient dans les bouteilles. Et puis, voilà. Alors, comme tous les soirs, je vais faire un tour là-dedans. Avec ma paire de ciseaux. Et on élimine. Ici c'est pareil, ça c'est... Il y en a quelques-uns qui ont été mangés aussi. Enfin, il y en a encore sur la quantité, j'en ai encore à peu à mettre. Et blettes. Il y a des choux, il y en a encore ici. Différents choux. Alors j'ai mis une planche, c'est pareil. Les limaces viennent se ranger en dessous et puis hop, je les retire. Encore un peu en dessous de choux ici. Ça a été mangé, mais ça repart du cœur, comme les autres là-bas. Et betterave rouge. Bon, il y a quelques-uns qui ont été mangés, mais dans l'ensemble, ça va. J'aurai les premières au mois de juin à faire. Et j'en ai relancé là-bas deux barquettes pour mettre ici. Et puis, je vais y mettre aussi des petits oignons blancs. Comme ici, il y a beaucoup plus de limaces, avec le tas de bordel là-bas. Bon, les petits oignons blancs, il n'y a pas de danger là. Je vais en mettre ici. Voilà, voilà. L'avancement. Alors ici, c'est des petits arbustes. Le saule que j'ai replanté. Oh, ça se porte bien, c'est beau. Il faut que j'en redresse un ou deux. Là qui sont un peu penchés par le vent, mais ça va. Comme les épines, ils ont été coupés, les pieds d'épines, il n'y aura plus d'épines. Là, il y en a un que j'avais replanté l'année dernière, il est bien reparti. Bon, ça va pour l'instant, on les a pas encore arrachés. Comme ils avaient une bonne racine. Les petits arbustes, c'est pareil, ça repousse aussi. Et garder un peu droit quand même, parce que s'ils poussent penchés, ils vont rester penchés. Comme il y en a ici, c'est bien penché là. Il y en a eu tout le long.
Et puis s'il y en a qui ne poussent pas ou il y a encore des trous, je leur remettrai. Ceux-là, les petits arbres, là. Ça repousse aussi. Et jusqu'ici, pareil. Ça repousse, ça. Bon, ben, c'est bien. Pour l'instant, ils sont encore là. Bon, il n'y a pas de feuilles qui commencent à retomber, donc c'est bon, c'est bien repris là. Bon, il y avait quand même de la racine dessus. Hein. Ça porte bien tout ça. Ah, les arbres là de l'autre côté, là, ils ont d'éclairci maintenant avec ça, hein, ici. C'est plus clair. Oui, ces trucs-là, ça, par la suite, ça sera retiré, ça. Celui-là, il tient court, mais il est pourri de la base. Ça, tout ça, ça reprendra la suite. Ça refera une belle huée. Il y a celui-là qui devait partir, mais enfin il repart d'en bas, c'est bon. J'en ai encore une quinzaine de rangrabes. Donc je pourrais en remettre s'il y en a qui ont du mal à bien reprendre. Et tout ça vient du spielo. Celui-là il est reparti aussi, celui-là. Ça va m'en refaire encore. Là. Du sol. Quand c'est coupé comme ça, taillé, ça fait une belle huée. Bon, ben voilà. Là, j'ai fait une structure, enfin deux structures à haricots. On va bientôt semer des haricots. Et je les mettrai autour, là. Avec une roue de vélo. Des ficelles. Il y en a un ici et il y en a un ici. Mettre des haricots à rame. Oh, un gros pot, un tube, une roue de vélo et des ficelles. On y mettra des pieds à chaque ficelle. Comme ça, c'est comme avec les petits pots. Enfin, allez, au mois de juillet, on va les retirer, puis on mettra des haricots en plus, aussi. Tout simple, tout bête. On n'a pas beaucoup de place. Et ben, on fabrique des trucs comme ça. Bon, les carottes, c'est pas encore sorti, ça a du mal un peu à sortir. Bah, ça sortira quand même. Bah.